avec l'apparition des premières tiges latérales, la taille de formation se réalise. Elle consiste à éliminer quelques tiges, améliorant ainsi l'aération de la plante. Grâce à la taille de formation, le nombre de bras par plante sera déterminé, les tailles à un ou deux bras étant les plus fréquentes. Bien que, sur les tomates cerises, il est habituel d'en laisser 3, voire 4 par plante. Le tuteur maintient la plante dressée. Il améliore son aération, facilite l'exploitation des radiations et la réalisation du travail de la culture. Environ 30 jours après le repiquage, c'est le début de la floraison. Le premier groupe floral se développe quand la plante a 3 vraies feuilles. Le reste des inflorescences arrive toutes les 2 ou 3 feuilles. Un autre travail très important est l'élimination des pousses auxiliaires et se réalise hebdomadairement aux époques de chaleur et tous les 10 ou 15 jours aux périodes de froid. Pour optimiser la pollinisation au début de la floraison, des ruches de bombus terrestris sont introduites dans les serres. Environ un mois et demi après le repiquage, l'ovaire commence à se développer, ce qui entraîne l'apparition des fruits. À partir de ce moment-là, les besoins en eau vont augmenter. Il faut ajuster l'irrigation à l'évapotranspiration de la culture. Pendant le développement du fruit, il ne doit pas y avoir d'écart brusque d'humidité, puisque des désordres physiologiques peuvent apparaître, comme par exemple des fissures du fruit. La période de croissance du fruit, de la floraison à la maturation, oscille généralement entre 45 et 60 jours. Dans des conditions normales, on pince les tiges principales quand la plante a entre 6 et 10 rameaux. On obtient ainsi une augmentation de la taille du fruit et des fruits précoces. Pour améliorer l'aération et la couleur des fruits, on réalise l'élimination des vieilles feuilles et des feuilles malades. Ce travail doit se réaliser en faisant très attention à ne pas éliminer celles qui fournissent les nutriments à l'inflorescence et aux fruits. Quant à la nutrition, l'importance de la relation azote-potassium varie tout au long du cycle de la culture, étant de 1-1 du repiquage à la floraison et de 1-2 ou même. Le phosphore joue un rôle important pendant les étapes d'enracinement. Le calcium aide à éviter la nécrose apicale ou PCDA. La récolte du fruit s'effectue à différents degrés de maturation selon le marché auquel il est destiné. Il est recommandé de ramasser dès les premières heures du matin et, plus tard, réfrigérer le fruit si possible.